chaque fois que quelqu'un est persécuté. À chaque fois que les communautés sont déplacées. À chaque fois que des communautés sont exterminées. Cause toujours. De ce qu'elle représente, la ville de Paris, les élus de Paris, quelle que soit leur couleur, seront là avec vous et je serai là devant. Aujourd'hui, en Irak, on est en train de porter atteinte à un berceau de l'humanité. On est en train de porter atteinte à une communauté millénaire. Non, un symbole de paix entre toutes les communautés de la région. Je te demande. Est-ce que t'en as à foutre de la communauté millénaire, toi ? D'être solidaire. D'être de plus en plus nombreux. Et que ce rassemblement est le premier. Et je le dis ici solennellement, je crains qu'il soit le premier qui donneront ici. Tant que les massacres continueront, nous devrons être mobilisés et nous devrons être de plus en plus nombreux. Et je ne veux pas, je le dis ici avec rage, et je le dis ici avec conviction. Parce que les circonstances commandent que nous soyons unis. Parce que quand il y a un massacre entre la terre et l'humanité, je ne crois pas que ce soit les lieux des polémiques. Je vous dis donc, ici, au nom de la ville de Paris, que je suis honoré et fier d'être parmi vous. Et je m'incline respectueusement devant tous ceux qui ont laissé la vie parce qu'ils sont des chrétiens dans une région où ils ne sont plus le bienvenu. Je souhaite vraiment que le parvis de Notre-Dame de Paris continue à être un lieu de paix, un lieu de recueillement, un lieu d'union, un lieu où tous les croyants et les non-croyants, un lieu où les chrétiens d'Orient et ceux qui sont des chrétiens d'autres communautés peuvent venir.